Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo qui va être une vidéo avec une toute petite méditation. Et puis à la fin, on va tirer une carte. Alors, l'idée, c'est de se recentrer, de prendre un petit peu de distance aussi par rapport à toute l'agitation du monde actuel, prendre un petit temps pour soi, pour un peu calmer le monde intérieur, tout ce qui est. Voilà, toute cette anxiété, toute cette agitation, et de retrouver un petit peu de calme, de sérénité, et aussi se rassurer. Alors, pour ça, l'objectif, enfin en tout cas l'appel que je fais, moi, c'est que je travaille avec les énergies de Marie, et donc je demande à Marie, qu'on la considère comme la Vierge Marie ou comme une déesse, en tout cas je vais contacter cette énergie. Pour qu'elle nous délivre un message d'apaisement, de protection. Je vous invite à trouver un endroit où vous serez tranquille, vous pourrez vous sentir en sécurité pendant un petit moment, pas très longtemps, quelques minutes. Et donc faites une pause, trouvez votre petit endroit tranquille, et puis prenez le temps ensuite de respirer calmement, c'est-à-dire d'écouter votre souffle, d'inspirer en conscience et puis d'expirer en conscience, de sentir ce souffle de vie, cette vie qui rentre, qui nourrit en fait votre organisme à travers l'air que vous respirez. Et puis à travers l'expiration, vous rejetez tout ce qui est, tout ce qui vous encombre, tout ce qui a servi et qui est maintenant sous forme de déchets. Donc l'idée, c'est de respirer de la lumière, de la vie, et puis d'expirer ce qui n'a plus lieu d'être, donc expirer les anxiétés, les peurs, et on fait en fait avec la respiration une sorte de petit balayage. Oui, c'est comme un balayage, donc l'air rentre, elle balaye, et puis quand on expire, on va avoir la poussière, tout ce qui est poussière, tout ce qui ne sert plus, qui va repartir. Donc voilà, je vous laisse inspirer et expirer. Vous inspirez de la vie, du calme, et vous expirez tout ce qui vous décentre, tout ce qui vous éloigne des énergies d'amour, des énergies de communauté, de se ressentir être humain parmi les autres êtres humains. J'inspire le calme, l'amour, la tranquillité, et j'expire les anxiétés, tout ce qui ne me sert plus, tout ce qui m'empêche d'être centré. Le calme, la tranquillité. Et voilà, je me sens plus légère et j'espère que vous aussi. Et puis maintenant, nous allons tirer une carte. Alors je mélange sans regarder les cartes, je ferme les yeux. Hop, et je demande à Marie un message. D'encouragement ou de protection. Alors, je vous montre les magnifiques illustrations d'Eva. L'élévation céleste. Crois en ta mission. Élève ton regard et cherche toujours le sentier de la lumière. Tu accompliras alors de grandes choses. Si tu marches dans la lumière, tu seras soutenu. Ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul.
Donc voilà ce message pour moi et puis pour vous qui suivez cette vidéo. J'espère qu'il vous accompagnera, mais qu'il vous inspirera comme moi il m'inspire. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.